Tout, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour créer un petit plastron. Ça fait longtemps, c'est parti. Ça va être vraiment très très simple. Ça pourrait paraître compliqué, mais non, pas du tout. On utilise ce petit gabarit. Pour ma part, je l'ai utilisé d'une manière très spéciale, dans le sens où j'ai utilisé les différentes formes pour pouvoir créer une forme vraiment atypique et que